Ça, c'est le poste de pilotage. Bon, c'est mis. Ok, merci. Le poste de pilotage, tu vois, donc il y a plein d'instruments. Donc ça peut paraître, et encore, il y en a. C'est une vieille génération où tu n'as que des aiguilles, d'accord? Les nouvelles générations, tu n'as plus que des écrans d'ordinateur comme ça, qui vont reprendre tout ce qui est là, d'accord? Mais c'est tout sous forme informatique. Ok? C'est une machine qui a deux moteurs. Donc tu as ce qu'on appelle le système 1, là, ici, et le système 2. Donc tu vas démarrer un moteur, puis tu démarreras le deuxième. Voilà. Ensuite, elle est capable de gérer tout le reste. Ce sont des démarrages automatiques. On a ce qu'on appelle ici, ce sont des FADEC. Donc, ce sont deux appareils qui permettent de gérer les moteurs et de faire en sorte que les deux aiguilles soient ensemble. Et s'il y a un moteur qui tombe en carafe, c'est l'autre qui prend. D'accord ? En fait, ça sert à ça, à gérer tout ça. Okay. Tu vas avoir, tu remets en route, hop, il y a des sondes partout, ça sonne, ça clignote. Donc, en fait, il fait des autocontrôles. Ok ? Donc là, il a fait les autocontrôles des instruments. Et ensuite, ici, il va faire l'autocontrôle, en fait, de tous les circuits électriques. Donc là, il dit CDS. Ça, ça s'appelle un CDS. C'est Cockpit Display System. Et les IMP, c'est un ordinateur, si tu préfères. D'accord ? Ouais. Et toutes les informations qui arrivent, les lignes électriques ont été testées. D'accord ? Ensuite, là, tu vois, ça fait un petit bip, bip, bip qu'on entend. Je ne sais pas. Je vais rapprocher... voilà, le casque du micro. Donc là, en fait, c'est une sonnerie. Ce sont des sonneries d'alarme qui sont testées. Donc, il y a un moment, ça casse les oreilles. Là, tu as la deuxième sonnerie d'alarme. Tu vois, donc, ouais. Ça fait. Voilà, ça s'appelle le gong. Et là, on a testé les deux sonneries d'alarme. Donc, en fait, bon, après, on va couper parce que ça consomme... C'est une petite batterie. Hein. Donc, j'en ai besoin pour démarrer. Et là, je vais retrouver, en fait, toutes les informations, tu vois. Je ne sais pas si tu arrives à voir avec ton grand écran. Ah. Toutes les informations, donc là c'est en jaune, donc c'est pas dangereux, c'est des informations, il manque ça, il n'y a pas ça qui est allumé, là il y a les pompes qui sont allumées, voilà, donc qui s'éteignent, pardon, et au fur et à mesure, évidemment, quand je vais mettre en route, ces informations disparaissent. Alors après tu vas voir ici, tu vois par exemple, c'est engine file, ça veut dire que le moteur n'est pas allumé, donc forcément il est en panne, d'accord, derrière, en panne, il est à l'arrêt pour lui. Ensuite les pressions d'huile du moteur, ben, il n'y en a pas, ben, forcément le moteur ne tourne pas, donc il n'y a pas d'huile dedans. Hein, d'accord. Et ici après j'aurai des informations en fait des deux moteurs, tu vois, leur moteur, tour rotor, la batterie, enfin les génératrices ou la batterie, les températures, et puis ici ce sont mes carburants, les réserves latérales et le réservoir principal. Ok. Alors je coupe parce que voilà. Donc en fait dans cet appareil tu vas retrouver donc ce système informatique qui surveille mes moteurs, mais qui me redonne les mêmes informations que celles qui est ici. Ouais. Donc tu vas avoir ces informations informatiques que tu retrouves ici en fait. Hein. C'est juste, tu as deux lectures, mais ça te permet aussi de comparer, hein, s'il y a un problème. Ouais. Ici tu vas retrouver tout ce qui est, alors le tableau d'alarme, hein, tu as vu c'est écrit en rouge, là quand ça s'allume en rouge, c'est que c'est pas bien, il y a un problème. Et ça, ces petits boutons là, c'est écrit Emergency Off Switch 2, et en fait quand ce bouton s'allume, c'est écrit Fire, c'est que j'ai le feu à un moteur. Ah ouais. C'est emmerdant. Hein. C'est pas trop bon. Alors quand on appuie dessus, ça va pas déclencher l'extincteur. Hein. Ouais. Il y a un seul extincteur et j'ai deux moteurs. L'extincteur, il est là, j'ai marqué. Non, il est. Alors je te le montrerai après, c'est un extincteur qui est en extérieur. Donc en fait, quand tu appuies dessus, ça va tout simplement couper le carburant, fermer le robinet. Ouais. Donc le moteur va s'éteindre. Ouais. Et quand il descend, puisqu'il tombe le moteur, forcément, quand il va descendre à 50%, en fait, le système analyse et se dit est-ce qu'il y a encore le feu, est-ce qu'il n'y a pas encore le feu. S'il y a encore le feu, il pète l'extincteur. S'il n'y a plus le feu, ça s'arrête là, juste le moteur s'est arrêté. D'accord ? Et il redémarre tout seul ? Ah non, c'est toi qui le redémarre. Parce que, évidemment, quand tu appuies là, ça se coupe, il faut couper, etc. C'est toi qui le redémarre. Tu peux voler avec un seul moteur ? Oui, alors ce sont les appareils biturbine qui sont prévus pour voler sur
N-1 moteur. Tout ce qui existe en aéronautique, moi j'ai deux moteurs, je peux voler sur N-1. Donc si j'ai deux moteurs, je peux voler sur un moteur. Ouais. Un avion de ligne qui a quatre moteurs peut voler sur trois moteurs. Mais pas sur deux. Mais pas sur deux. Voilà. D'accord. Vous comprenez le système ? Ouais. C'est prévu comme ça. Alors je peux voler, ça ne veut pas dire que je peux décoller et atterrir. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si je suis en ligne de vol, que j'ai un moteur qui tombe en vol, ouais, je peux continuer à voler pour aller rejoindre le point de sécurité le plus ouais, rapide, ouais, et je peux poser en sécurité sur un moteur. D'accord. En utilisant des trajectoires spécifiques, etc. Ouais. Au même titre que je suis en train de décoller, j'ai un moteur qui claque, donc il y a deux possibilités, soit on n'a pas encore atteint ce qu'on appelle le point de décision, qui est un point dans l'espace qui est calculé, hein. Mmh. Voilà, on a tout ça pour calculer tout ça, et en fait, si j'ai pas atteint ce point de décision, je vais revenir poser sur ma DZ. C'est pour ça que les hélicos du SAMU, très souvent, vous les voyez décoller en marche arrière. Oui, c'est vrai. Quand on décolle, en fait, on décolle en marche arrière. Mmh. Pourquoi ? Jusqu'au point de décision. Et pourquoi ? Justement, si on perd un moteur, hop, on revient. Mmh. C'est pour ça qu'on décolle en marche arrière, bien souvent. Ouais. Hein, mais là, toi, tu peux pas décoller en marche arrière. Alors là, dans celui-là, dans cette configuration telle qu'on a le vent actuellement, non. Quand on est dans l'autre sens, oui. D'accord. Et une fois qu'on a atteint ce point de décision, je peux par contre prendre la décision soit de revenir d'où je viens, évidemment. Si je suis sur l'aéroport, ça serait débile, si vous me permettez l'expression, ouais, de partir, alors ouais, que je peux reposer d'où je viens. Ouais. Par contre, je peux prendre de la vitesse, hop, faire un tour et me représenter pour venir me poser sur un moteur. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est tout ce qui est gestion des moteurs. Hein. Ça va être les pressions, les températures. Alors moteur 1, moteur 2 et boîte de transmission principale. C'est ce compliqué. Qui supporte en fait le rotor. Bah, après, on travaille beaucoup aux couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des valeurs à connaître, bien sûr, ça c'est dans le cadre de tes connaissances de pilote, mais l'intérêt, pourquoi il y a des couleurs, c'est avoir l'œil, tant que l'aiguille elle est dans le vert, c'est bon. Si l'aiguille elle arrive dans le jaune, tu commences à réfléchir. Ouais. Quand elle arrive sur le rouge, c'est fini. Il y a quelque chose à faire, d'accord ? Déjà quand elle est dans le jaune, il y a quelque chose à faire, et quand elle est dans le rouge, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs sur les instruments. Là c'est pareil. Ici tu vas voir la gestion des deux moteurs et des rotors surtout, d'accord ? Ici c'est... le torque, c'est les moteurs. Là, c'est la température des deux moteurs. C'est pour ça qu'il y a deux aiguilles à chaque fois. Ici, il y a les deux moteurs plus il y a trois aiguilles. C'est ce qu'on appelle un indicateur triple. Et tu vois, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des plages vertes. Donc là, il y a des plages intérieures et extérieures. Donc ça dépend des aiguilles. Mais par exemple, le R, on travaille sur cette plage. Donc là, rouge, pas bien. Vert, ça va. Jaune, tension. Rouge, puis après, tu as des points. Alors ces points-là, c'est, tu vois ici, c'est pareil, c'est écrit OEI, on voit que ça va plus loin. C'est quand tu as une aiguille qui est en bas parce que tu as un moteur qui est arrêté, tu as l'autre moteur qui va monter. Tu as le droit d'être dans ces plages pendant un certain temps, et c'est calculé, c'est 2 minutes 30, etc. C'est ce qu'on appelle l'OEI, c'est One Engine Inopérative. Ça veut dire un moteur inopératif, ce qui nous permet de nous sauver. Ici, c'est pareil, tu vois, les températures, ben, on peut concevoir qu'il y a un moteur, l'autre il est arrêté, il y a un moteur qui chauffe très fort pour tenir la machine en vol. Donc voilà, il y a des plages et c'est surtout du visuel. Même si tu dois les connaître, c'est du visuel. Après, tu vas trouver tout ce qui est partie vol. Donc ici, on va trouver ce qu'on appelle l'airspeed, c'est ça te donne ta vitesse. Okay. La vitesse, c'est en nœud. Et la vitesse, en fait, ça dépend de l'air. C'est-à-dire que mm-hmm, si tu voles, que tu voles à 100 nœuds, mais que tu as un vent de face de 20 nœuds, en fait, par rapport au sol, tu seras à 80 nœuds. Mmh. Inversement, si le vent il est derrière toi de 20 nœuds, mmh, tu seras à 100 nœuds toujours indiqué. Plus, ouais. Par contre, par rapport au sol, tu seras à 120 nœuds. D'accord ? Alors, je rappelle les nœuds, on multiplie par 2 et on retire un dixième. Ici, ce sont des instruments de navigation. Donc, on peut mettre des balises. Il existe des balises sur les aérodromes qui font qui émettent. Chaque balise est bien personnelle. Et sur ces balises, après, on peut leur donner des axes de travail. Et en fait, il va falloir, tu vois, quand tu donnes les axes de travail, il va falloir revenir chercher à aligner la flèche pour être au cap que tu as choisi toi. D'accord ? Okay. Voilà. C'est juste un moyen de navigation. C'est nos petits GPS d'origine à nous. Ici, tu vas avoir ton altipied. Donc, c'est ton altitude, mais en pied. Ici, on est à 200 pieds. Alors, ça varie, hein, avec la pression atmosphérique. On est actuellement à 200 pieds ici sur la surface. Donc, les pieds, on multiplie par 3, on divise par 3, on retire un dixième. Oui, c'est chiant. Et il faut calculer. Ouais. Si tu me dis ça fait combien de mètres, moi je te dis voilà. Ouais. Ok. Ici, c'est ce qu'on appelle ta vertical speed. C'est alors c'est en pieds minutes. C'est ta vitesse de montée ou ta vitesse de descente. C'est-à-dire que si l'aiguille elle est sur le 1, ça veut dire que tu montes de 100 pieds par minute. Toutes les minutes, tu vas prendre 100 pieds. D'accord. Mmh. Ah, 30 mètres toutes les minutes. Ok. Et ici, c'est le radar altitude. Alors en fait, lui, c'est un petit peu particulier. Il te donne
et là, c'est en pied aussi, il te donne l'altitude par rapport au sol. En fait, c'est une sonde derrière qui envoie un faisceau par terre, qui remonte, ouais. et qui te dit, OK, t'es exactement à telle altitude. Et le sol, il bouge, ouais. il y a des obstacles. Ouais, ouais. Donc l'aiguille, elle... D'accord. Voilà. Ici, c'est la partie de démarrage. Donc en fait, c'est là où en fait, on va mettre en route. Hein. Ici, c'est la partie radio. En général, tous les hélicos sont constitués pareil, hein. C'est toujours la même forme. Tu as la partie radio, hein, avec toutes les radios, on peut écouter, donc on a plusieurs radios en même temps. Ici, on va gérer la tour de, enfin, voilà, en VHF, les tours de contrôle, le SAMU, après tu les organises comme tu veux. Donc on peut écouter les deux en même temps. On écoute les balises, d'accord? On écoute les gens qui parlent à bord. Et on a en plus sur cet appareil-là un téléphone, c'est un vrai téléphone, qui est comme ton portable, mais il est attaché celui-là. Et tu peux téléphoner en vol. Donc voilà, okay. on écoute tout ça en même temps, et après on choisit sur lesquels on part. Mais okay. voilà, ça oblige à écouter beaucoup de choses en même temps. Bon. Ici là-haut, t'as plein de boutons. Wow. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah bah oui, il y en a encore plein, c'est rigolo. Donc ici, tous ces petits boutons-là, dans tous les hélicos, ce sont en fait des ni plus ni moins que ce qu'on appelle des breakers, c'est des fusibles, d'accord? Okay. C'est juste des breakers, et en fait les chiffres qu'il y a dessus, c'est la puissance du fusible, d'accord? En gros, c'est 3 ampères, 2 ampères, voilà. Donc... Les breakers, normalement, évidemment, ils sont tous enclenchés, sauf certains, mais ils sont tous enclenchés parce qu'on a besoin de tout, d'accord? Mais ils se peuvent, sur une panne d'un instrument, en fait, la procédure, les procédures, elles sont là, hein, tu vois. Donc les procédures de panne, bah, ça, c'est à utiliser, à connaître. Alors, on te dit ce qui doit arriver. En vert, c'est ce que tu dois savoir faire tout de suite. Et puis en blanc, après, c'est ce que tu peux lire, d'accord? Okay. Donc voilà, il y a des pannes. Et en fait, on peut te dire, retirer le breaker. Donc tu vas, chien, arrêter de toi-même le truc puisqu'il est en panne et qui peut te poser un problème. Et pour éviter qu'il te pose un autre problème parce qu'il est en panne, tu l'arrêtes. Okay. Ici, en fait, sur le panneau, ça va, c'est juste en fait des interrupteurs qui te permettent de mettre en œuvre la machine. En fait, quand tu vas l'allumer, par exemple, ici, tu vas avoir les pompes de transfert, les pompes d'allumage. Donc les pompes d'allumage, on les met dès le début, ça permet de démarrer les moteurs. Une fois que c'est fait, on n'en a plus besoin, mais on va mettre les pompes de transfert qui, elles, fourniront en permanence du... Voilà. Donc il suffit juste de les mettre dans l'ordre où tu dois les mettre, mmh. mais en fait, ça paraît beaucoup, mais tu vois, tous ces boutons, bon déjà, il y en a qui sont cagés, protégés, et tous ces boutons, en fait, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, ce sont juste des boutons de test, ici, d'accord ? Ouais. Ici, ce sont les boutons pour mettre le courant dans la machine. Mmh. Ici, c'est les boutons pour réchauffer les pitots, on s'en sert pas. Ici, c'est les pompes. Et ici, tu vas retrouver les feux de position, feux arrière. Donc, toi, ils sont mis systématiquement, c'est le feu qui clignote derrière, mm-hmm. et les feux sur les côtés. Donc, c'est pas très compliqué, ça s'apprend, hein, de toute façon. Ouais. Y a pas de souci, hein. Voilà. Et après, tu finis sur les instruments, les commandes de pilotage. Donc, tu vois, il y a 3 commandes sur un hélico, toujours. Tu as les palonniers, là. Ouais. Où tu mets tes pieds dessus, hein, puis ça, ta main circule. Moi, bah, je pouvais pas oui, le faire. Ou alors je fais comme ça. C'est parce que tu es peut-être vachement petite. Non, voilà. Moi je suis très très grande. Donc ici, tu as ce qu'on appelle le cyclique, et pas le manche à balai. Ouais. Ça s'appelle la commande cyclique. Et ici, ça s'appelle la commande collective. D'accord ? Okay. La commande cyclique, elle va te permettre à ton hélico de le faire avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. La commande collective, elle va le faire monter, descendre. Ici, d'accord ? Quand je tire, on monte. Quand je baisse, on descend. Et les palonniers, eh bien, ça va la faire tourner sur lui-même, dans un sens ou dans l'autre. Et comme l'hélico, c'est vachement marrant, puisque c'est pas fait pour voler à l'origine. Hein, Ah non. C'est en permanence instable. Le principe est le suivant. Tu veux monter. Non. Là, je vais monter pour décoller. Je vais tirer pour monter. Mais comme je tire, je crée du couple moteur. Alors, le couple moteur, en fait, pour le comprendre très facilement, tu ouvres le capot de la voiture. Tu regardes le moteur, tu dis à papa d'appuyer sur l'accélérateur, et là tu vois ton moteur, et boum, il bouge. Ouais. Il bouge. Voilà. C'est ça le couple moteur. Et bien en fait, là quand je vais tirer, je crée du couple moteur. Sur un hélico, quand je crée du couple moteur, bah, l'hélico il va tourner sur lui-même. Donc pour éviter de tourner sur lui-même, je vais être en même temps que je tire, être obligé de contrôler avec les pieds pour pas qu'il bouge. D'accord ? Quand je suis en l'air, je veux partir en avant. Pour partir en avant, en fait, il va falloir que je le mette comme ça, l'hélico il va avancer. Donc je vais mettre du cyclique vers l'avant. Donc, comme je le mets comme ça, alors, petit rappel, tu as une force ici qui tire vers le haut, et tu as la gravité qui tire vers le bas. Si je suis en stationnaire, je ne bouge pas, ça veut dire que la force qui est vers le haut et la force qui est vers le bas sont à la même puissance, même valeur. Si je mets l'hélico comme ça, la force qui tire vers le haut, elle devient plus petite, parce que j'ai une force qui se crée comme ça, d'accord ? Ça veut dire que la force qui tire vers le bas, donc mon hélico, il va avancer, mais il va tomber. Ouais. Comme il tombe, je mets de la puissance pour le tenir à la même hauteur. Mais comme je mets de la puissance, il faut que je mette les pieds.
Ouais, t'as plein de trucs à faire. Voilà. Et moi, je suis petite, hein, mais tu vois comment? Ah ben, je vois comme toi, je vois en face, sur les côtés, et pas forcément... Non, mais... Regarde, je vois juste devant. C'est pour ça que, comme ici, je ne vois pas, on a besoin d'un assistant de vol qui, lui, voit ici. Ah oui, ok, c'est comme je suis en bateau. Je ne Voilà, sais c'est pas en ça. bateau. Donc voilà, le principe d'un hélicoptère, c'est pas plus dur que ça. Ouais. Ça demande un peu d'expérience, ça demande Ça quelques va. années d'entraînement, mais... Ouais. Donc quand on voit dans un film le gars qui pilote et qui tire en même temps et qui n'a pas les pieds, c'est pas vraiment vrai. Alors par contre, les nouvelles générations hein, qui pourront ici, nous l'espérons bientôt, sont équipées d'un pilote automatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le pilote automatique qui va corriger tout ça. D'accord? Okay. Toi, tu lui dis juste, voire même un pilote automatique, en fait, tu as des commandes ici, tu peux lui dire que tu as une cartographie, puisque c'est informatisé, tu mets le curseur en disant je vais là. T'enclenches le pilote automatique, tu lui dis, tu règles en fait avec un bouton, ça va te donner, tu règles l'altitude que tu veux, tu enclenches et l'hélico il le fait tout seul. Il va accéder, tu peux même lui dire, j'y vais à telle vitesse, suivant le mode de, enfin, suivant le type de pilote automatique, et il va y aller tout seul. Il va accélérer, il va garder la vitesse, il va tourner pour aller chercher le point que tu lui as donné et il le fait tout seul. Imaginons qu'il y a des obstacles, par exemple des grands arbres, il va. Ah bah lui par contre il les voit pas les obstacles lui. Ah, Voilà ok, donc, du coup. Mais C'est pour ça tu que l'homme est quand même voilà indispensable. en fait dans les nouvelles générations de machines c'est ce qu'on appelle les glass cockpits donc il n'y a plus que des instruments numérisés le problème n'est pas de piloter parce que l'appareil pilote mieux que toi en général des fois bon après des fois ça dépend quand même pas exagéré mais bon il a un pilotage qui est si tu as donné les bonnes informations le problème du pilote ça va être de donner les bonnes informations. Comprendre ce que fait l'aéronef en fonction des informations qu'il a données. Se dire, est-ce que si c'est. Merde, ça tombe pas du beau côté, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai pas mis un virage, enfin un cap trop important? Donc l'appareil, lui, il va. Il y a un certain moment, ça reste un ordinateur, il va dire, bah moi je vais tourner de l'autre côté pour aller. Tu dis, merde, c'est pas le côté que j'ai demandé. Donc voilà, cette réflexion, c'est ce qu'on appelle de la gestion, où en fait on va gérer toutes les données que tu vas donner à l'appareil, justement. Et puis gérer évidemment la sécurité en vol, etc. Et puis les pannes. Plus on rajoute d'électronique, plus on a de risques de panne. D'accord? Donc là, il faut pouvoir gérer toutes les pannes. Et pendant que le pilote automatique est activé, tu peux Oui, imaginer. tu peux prendre la main. C'est-à-dire que le Ok. pilote automatique gère la machine. Par contre, quand tu commences à prendre les commandes et exercer une certaine force, hein, c'est calibré, et ben là, l'appareil sait que c'est plus le pilote automatique qui commande, c'est toi. Ok, mais après il va se réactiver tout seul Ah ou. bah après c'est toi qui le réactive. Ok. Lui il va te dire je sais plus faire, je coupe, Il se c'est toi qui as les réactive. commandes. Et bah toi une fois que tu as évité ce que tu voulais éviter par exemple, ou, alors c'est pas forcément un oiseau, mais ça va être une zone que tu vas contourner, parce que tu la vois sur le. Lui, c'est pas que la zone est interdite. Hein. Lui, point A, point B, en avant Guingamp, quoi. Mais tu veux éviter une zone pour une raison X, Y, Z, tu vas reprendre les commandes. T'es pas obligé de couper le pilote automatique. Le fait de reprendre les commandes, il va dire, ah, le patron, il a pris les commandes. Par contre, il va falloir le remettre le pilote automatique après. Parce que lui, il dit, moi, t'as les commandes, t'as les commandes. Hein. Moi, tant que tu me payes pas, C'est ça. j'y retombe pas, quoi. Ah, voilà. Ok. Voilà, vous savez tout de l'aéronautique. Les clés sont dessus, je vous laisse. Allez, c'est parti. Merci, Benoît. De rien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Douglas. Merci.